Salut à tous, on a démarré la deuxième session Hype Drop. Du coup, on avait fait la première. La deuxième, on va la faire en crazy. Donc, on avait déposé 100, on a récupéré 105. Encore une fois, le but quand on met 100, c'est de les jouer et de potentiellement gagner beaucoup plus, de faire vraiment des belles battles. Donc là, c'est ce qu'on va viser. On va voir où on peut aller avec 105 euros. Donc, on va commencer, on va tout jouer en crazy. Comme j'explique à chaque fois, le but c'est d'aller aussi sur des box qui peuvent nous ramener gros dans les petites box qui conviennent à notre budget. Ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est aussi de jouer une caisse qui va potentiellement nous rembourser, à savoir celle à 14 euros, la gaming budget. Donc nous, sans plus attendre, nous allons faire ça avec une halfway. Et du coup, la gaming, comme je vous en parlais juste avant, ça nous fait 19,74 €. On va lancer tout en crazy. On va espérer que ce soit l'autre, du coup, qui touche de l'argent. Et on va voir ça. On a donc 5 lancés. C'est soit on perd tout, soit on gagne. Si on gagne, on fera une autre session un peu plus tard. Tout en normal. Là, on va tout lancer en crazy pour le fun. Est-ce que j'aurais dû rester en normal? Je sais pas. Voilà, honnêtement, je pense que c'est au feeling de chacun. On a gagné 5-6 parties consécutives et la dernière, on l'a perdue juste avant en normal. Donc je me dis que peut-être en crazy, ça peut être intéressant. Alors pour le coup, ouh putain, elle est belle! Elle est belle, la cale! Le petit truc Spider-Man, Marvel Spider-Man qu'on lui attrape et 85 euros. C'est très très beau les gars, très 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 beau. La session commence très bien. On avait eu les 2 euros chacun, lui il avait eu le 4,50. Et bah, pour l'instant, la crazy qui démarre sur les chapeaux de roue, il nous reste encore 5 lancers. Donc on est déjà even en fait, on est déjà remboursé de notre investissement. Et maintenant, il va falloir espérer la même chose. Donc on met toujours la gaming budget. Ça c'est vraiment super. Super jeu en plus, à 85 balles. À voir ce qu'on en fait. On avait mis une, on va mettre. Alors, on avait mis la halfway, on va en mettre deux un peu plus volatiles. Hop, 18 euros avec ça. Alors, faut bien qu'on pense à se mettre en crazy. On est parti. On a bien, bien démarré cette battle. Très, très bien, même. Il faudrait qu'on ait. Allez, on a encore du coup 4 battles, celles en cours plus les 3 qui vont venir. Avec les 3 qui vont venir, ce serait bien d'en avoir, pourquoi pas, 2 sur 4 de gagner en crazy. Ce serait vraiment cool, ça nous ferait monter à 150 et ça nous ferait plus d'essais. À moins évidemment de choper quelque chose de beaucoup plus lourd avant. Enfin, du coup, que lui, il chope quelque chose de beaucoup plus lourd et que nous le gagnons. La tech 1, elle peut ramener très gros, mais généralement, c'est les 25 centimes qu'on va voir là. Voilà, mais donc elle est souvent perdante. Après, si vous touchez, c'est intéressant. Là, allez, descend pour les 11 euros. Ah, dommage, dommage. Donc 10 centimes. Donc là, tout va jouer sur la dernière. 18 euros pour faire soit 8 et 8. Et bah, c'est bien. 25 balles chez lui et nous, 8. Donc du coup, on le gagne 33 euros. La deuxième partie est vraiment très bonne. J'hésite à passer du coup en normal. Là, après 2 victoires d'affilée comme ça. On va en tenter une troisième, je pense, et après on se mettra en normal. Là pour l'instant, alors on est en bénef, c'est vraiment très bien, on est à plus 33% et il nous reste 3 coups. Il nous reste 3 coups, 3 coups, 3 coups. Du coup, on a la all-in one qui est vraiment top et on va prendre la only one aussi. On va faire un petit battle à 20 balles. Alors la dernière, honnêtement, je suis en train d'hésiter à me mettre même en normal là d'un coup. Puisque si on se réfère, en fait, moi je l'échange plus par rapport aux séries, même si en soi ça ne veut pas dire grand chose dans le sens où les autres aussi ont des séries, etc. Mais on peut pas gagner, enfin, si on peut, ça m'est déjà arrivé de gagner plus de 8 fois d'affilée, mais j'ai aussi perdu déjà plus de 10 fois d'affilée. Donc à un moment donné, tu sais que c'est censé revenir un peu dans ton camp. Là, je me dis qu'après aussi ça peut faire du 1 de chaque côté, hein. On va espérer qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur cette battle.
On va attendre 2 minutes. Alors, du coup, on va la relancer. Hop. Histoire qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Bim bam boum. Hop. Des fois, c'est le placement des boîtes. Vous relancez la même, il y a quelqu'un qui vient tout de suite, voilà. Bon, bah, on va voir. Honnêtement, je pense que j'aurais dû peut-être me tenter en normal. On va aller en normal juste après, je pense. Ouh là 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 là. Heureusement, parce que là, par contre, je criais là. Là, on criait, on était debout sur la table, les gars. C'était en folie directe. Allez, descends, descends. Voilà, c'est bien. Ouais, on va pas taper un gros truc quand même, t'as vu? Allez, on y va. Gaming budget, donne-lui du lourd. Eh, c'est bien ça. C'est bien encore. 152 euros, il gagne! Oh, magnifique, oh, la battle de fou! La battle de fou, les gars! On est trop yes! Alors là, ça fait une série de malades, putain, et dire que j'ai hésité 2 fois, bah franchement, la G Pro Wireless 152 euros, c'est pour ça que la gaming budget, je l'adore, parce que c'est soit 8-8, mais ça peut faire tellement du lourd. Alors là, du coup, je ne sais pas trop quoi penser quant à me mettre. J'ai dit que je changerais après, hein, que je me mettrais en normal. Bon, on a déjà fait ce qu'il fallait. On a déjà fait ce qu'il fallait. On va faire comme ça. Allez, on va se mettre en normal. J'avais dit que je me mettrais en normal. La dernière battle sera un battle à 26 euros. On va faire une à 14 et une à 11. On va prendre une un peu plus élevée en termes de drop. On est vraiment très très bien. Donc là maintenant, il faut que ce soit chez nous, les gars. Faut que ce soit chez nous. On aura fait un plus 100%. Allez, oh dommage. Allez, on a les 2 euros déjà, on est devant. Allez les gars, on est devant. Cheap Thrills. Là, c'est maintenant. Fais-nous du rêve. 4 balles. Ok, on est toujours devant, donc c'est bien. Par contre, alors on peut avoir un 8-8, mais à 8-8. C'est bien, 8-8, c'est ce qu'on veut. Putain, en dessous, on était max. Donc 16 balles de prix en plus de chaque côté, plus ce qu'on a gagné. Ce qui nous fait un bloc à 22 euros de gain pour 19 euros. On est en 100% sur cette série. C'est lourd de ouf. Franchement, c'est magique. Et donc, pour la toute dernière battle, les gars, on va aller sur la Golden Egg. Et celle-là, après, on a 80 centimes. Donc, on va prendre la budget comeback. Voilà, on fait 26,40. Et on dépense. La dernière, les gars, c'est en folie. On est au max, peut-être. On a récupéré pas mal de budget. 318 euros, les gars. On fait un x3. C'est juste magnifique. Magnifique de ouf. Les 100 euros totalement rentabilisés. On espère que ce soit maintenant. Descend. Dommage. Ça se voyait que ça descendait pas de toute façon. Allez, la Golden Egg. Hier, elle a payé. Fais-nous payer, bébé. Oh, le petit jeu à 2,50. Voilà, 2,50. Bon. On est devant, maintenant il faut qu'on espère, pourquoi pas une autre souris, hein, on sait jamais, gaming budget. Ah, on a le jeu là, oui, Horizon, c'est bien, on a le 30 balles. 30 balles, on fait un 5 sur 5, les gars, c'est énorme. Énorme gaming budget. Incroyable, incroyable cette boîte, ce qu'elle nous aura fait faire, les gars. N'hésitez pas, n'hésitez pas, honnêtement. Vous voulez déposer, vous voulez vous amuser, vous mettez votre code Sombrero, comme ça, vous mettez à appliquer. 5% dans la limite de 100 euros par jour, par dépôt. N'hésitez pas aussi pour le free drop à claim votre reward. Du coup, vous aurez 3 caisses gratuites en mettant Sombrero ici. Vous vous inscrivez. Et nous, on est vraiment, vraiment contents, les gars. Encore une fois, on joue les caisses rentables. Et regardez ce que ça nous ramène. 358 euros. On a déposé 100 ce matin. On fait un fois 3,5 qu'on va pouvoir retirer une partie de toute façon qui va aller sur Sorare puisque ça va être clairement le but. 350, je pense que ça va être la souris qu'on va se mettre en Ethereum vu que l'Ether est très très bas, on va aller en profiter. Totale victoire pour nous, la petite souris incroyable 0,90 ETH et on aura suffisamment après pour rejouer et nous faire cette prochaine série. Les gars, je ne jouerai pas de la soirée, je pense peut-être dans la nuit faire
Une autre vidéo, ce fois 3,5 est incroyable. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Amusez-vous bien et droppez bien les potos. Allez, ciao!